Nous sommes le 9 juillet 1992, autour de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon et Bernard Mabille. Question de Madame Ménard. Qu'est-ce qui comporte 33 degrés ? Un escalier ? Un escalier ? Non. Ce sont des grades. Oui, des grades, une discipline. Ah là là, les francs-maçons. L'initiation maçonnique. Oh ben bonne ça, réponse oui. De Jean Dutour. Merci à Bernard Mabille. Nous, on ne peut pas savoir. Nous, on fait carrière avec notre talent. Hein, voilà, on ne peut pas. Le 33e vénérable, et oui, bien sûr. Question de Madame Lapeyre. Pour quelle raison le port de Lorient porte-t-il ce nom ? Parce qu'il avait été créé pour la Compagnie des Indes afin de se diriger vers l'Orient. Et le bon roi dit alors, appelons cet endroit Lorient pour symboliser l'endroit d'où partiront nos fiers amis. Lointain pour ramener la soie, la cannelle et autres délicatesses dont on savait brever notre population. Ça vous va, ça ? Bonne réponse de l'amiral. J'ajouterais qu'au XVIIIe siècle, ça s'écrivait à l'apostrophe, Lorient. Oui, en Orient même, en breton. A N plus loin, Orient. En Orient. Je joue à Lorient. Mais tout ça ne vaut pas le port de Brest. Et toi, je me fais une joie. Eh, je te jure, c'est d'une beauté, tu connais pas. Ah, mais je connais, dis déjà. Non, tu connais pas avec moi. Ah non, bien sûr. C'est sublime. Ouais. Putain, elle est cultivée, l'autre, là. C'est ton groupe, hein ? Oui, c'était. Sois pas fan, surpris, hein. C'est ton groupe. Mais non, mais moi je te dis que Brest, c'est une ville complètement étonnante. Et c'est une rade complètement étonnante. C'est vraiment très beau. Il moi, connaît j'ai... tous les rades. Non, ben. Eh, pour connaître tous les rades à Brest, il faut plusieurs années. C'est hein. Vrai ? Une année, ils ont fait 3 jours sans alcool. Ça, ils ont réussi 6 heures. Elliot Ness est arrivé. Non, mais c'est étonnant. C'est un endroit étonnant. Vous connaissez pas la rade et tout ça, c'est hyper beau. Oui, oui, très beau. Non, vous dites très beau, je vous en Non, mais j'ai été à Brest. Mais vous n'êtes pas allé où il fallait à Brest. Et Sofitel. J'étais sur un porte-avions. Bah, ils ont dit qu'il fout le moustique, là. Ça, c'est vrai que j'étais un peu paumé. Hein. Ouais. Sur le Clémenceau, vous étiez. On avait été faire une émission de RTL sur le. Non, c'était, je crois, sur le Foch. Ah, on devrait aller faire des émissions sur les sous-marins. Ah oui. Ça permettrait de s'humidifier les pieds. Vous avez déjà été dans un sous-marin, Mira ? Ouais, une fois à quai, ouais, je suis pas resté. Mais involontairement. Moi aussi. Je suis claustrophobe. Moi aussi, une fois. En mer. Ah, des dents. Au large de Porquerolles. Moi, j'aime pas. Marins, ça doit être angoissant. Je hein. Faisais faire un tour. Non, c'est sympa, on voit. C'est surtout angoissant pour le cargo qui voit arriver les torpilles. Et vous, non, monsieur Dutour, n'avez jamais été dans un sous-marin ? Non, jamais. Ouais. Ils sont gazoil flatte. Moi, c'est l'odeur qui me gênait surtout. Mais maintenant, ils sont nucléaires, ça sent plus le gasoil. Voilà. Mais tu sors, t'es lumineux, quoi. Et le record de plongée, ça peut durer combien de temps ? Ah, je crois que maintenant, il y en a qui peuvent traverser toute la Terre en un seul coup. Ils peuvent rester plusieurs mois. Plusieurs mois, sans sortir. Ils peuvent rester 6 mois immergés. Quand ils sortent, ils sont pas bronzés. Hein. Sexuellement, ça va être très dur, non ? Ah non, penses-tu ? Pour le mousse, mais c'est tout. Mais les autres, c'est bien. Ben non, tu vois pas de gonzesse, t'y penses pas, t'as du boulot, tu vois pas de gonzesse. Ah bon ? Quand t'en vois pas, t'y penses pas, toi ? Ben non. Moi, j'en vois, plus j'y pense. Ah non, moi, c'est quand je j'en dois vois. Être un peu obsédé, moi. Quoi ? C'est parce qu'elles sont là à nous emmerder. T'as vu l'autre avec sa petite jupe courte, là ? L'autre avec sa petite jupe courte. Elle arriverait vêtue de sac de pommes de terre, pas lavée depuis 4 semaines, on l'aurait pas. On même pas. Ben ouais. Que là, elle a sa petite la... ceinture un peu large, là, ça La femme faire. Provoque. Il y a des femmes dans les sous-marins ? Non, elles ont déjà assez d'emmerdement comme ça, non ? Non. Madame Ginette, t'es priée de. De retirer ses talons hauts du ballast 14. Elle coince la porte. Loup, 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 loup. Je vais finir par regretter de ne pas être allé dans un sous-marin parce que ça a l'air amusant. Un sous-marin, ça jette pas d'ordures, ça a rien, ça ramène tout à la maison. Il ne faut pas retrouver de traces. Non, mais ils expulsent pas les. Non. Rien ne sort d'un sous-marin. Il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Hein. Ah bon, il y a tout. Ah bon y a tout. Mais sous l'eau, vous pouvez prendre la. Vous pouvez tout prendre sous l'eau. Avec les systèmes modernes, vous pouvez tout prendre, même de l'aspirine. Non. Et les communications avec tout. La... Tout. Un sous-marin n'émet pas, mais il peut tout recevoir. Il pourrait émettre s'il voulait, mais il n'a pas émettre, parce que s'il émet, on peut le repérer. Mais tout, ils peuvent tout faire, sous-marin. On peut même aller sous l'eau, avec. Et ça marche à 30 ou 40 nœuds sous l'eau, hein, quand même. Et... Il y a 130 hommes. Puis un soir de beuverie, ils ouvrent tous les clapets. Explosion nucléaire mondiale. Ils sont au fond de l'eau tranquille à bouffer des crevettes.
Enfin, de temps en temps, ils remontent en surface pour respirer. Pas les nucléaires. Si vous remontez en surface, vous êtes toujours piqué par un satellite ou je sais pas quoi. Donc quand ils partent en mission, ils disparaissent. Ah, c'est gay. Ah, mais c'est bien. Moi, j'aimerais bien faire ça, mais pour mon compte. Oui, tout seul. Non, mais pour mes affaires à moi, toi. T'envoies un message à telle ville, tout le monde sur la plage avec le pognon. On collecte. De Madame Tussaud, qu'a-t-on prolongé d'un an en 1936 et de deux ans en 1959 ? Le domaine public, peut-être. Non. Le service militaire ? Non. Non. La majorité ? Non. Partout ? En France ? En France. En France seulement ? Et seulement ? D'autres pays l'ont fait, mais pas à la même date, pas toujours la validité de la même façon. D'un passeport ou d'une carte d'identité ? Non. Et tout le monde s'est félicité de cette mesure. Alors, un an en 36, deux ans en 59. Il a fallu une loi pour ça. Il a fallu une loi pour ça. Non. Ils ont prolongé d'un an un truc qui était agréable. Qui était, sinon agréable pour la retraite, au moins utile. C'était le Front populaire en 36. La scolarité oui. Obligatoire. Merci. Bonne réponse de Jean Dutour. RTL, 4h, 4h30. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Le Pellet. Qu'est-ce que l'onirologie ? Bah, c'est la science des rêves. C'est la science des rêves. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est pas une science très très exacte. Ils sont comme les sept nains, hein. Ils peuvent siffler. Parce qu'on n'est pas occupé. Hein, monsieur Dutour, c'est pas une science très exacte, mais enfin... Du tout. Bah, Freud, quand même. Vous vous souvenez de vos rêves, vous ? Ah oui, très bien. Il y en a un qui revient tout le temps ? Non, il n'y en a pas un qui revient tout le temps, mais enfin, je ne vais pas vous en raconter, ça n'a aucun intérêt. Oh si, si, allez-y. Non, non, si, tonton du tout. Non. Racontez-nous vos rêves érotiques. Moi, j'ai été... Mes rêves érotiques, ça doit être les mêmes que les vôtres, plus ou moins. Aussi dégueulasse. Oui, non, mais lui, il est en habit, il n'a pas son épée. Il est en habit. Peut-être pas quand même, peut-être pas aussi dégueulasse, non. Ah bon ? Non, peut-être pas. Moi, je rêve pas. Non, jamais. Je me souviens bien de rien. Vous rêvez, mais vous vous en souvenez. Je m'en souviens, plus, je m'en souviens pas. Ouais. Et vous, amiral, de quoi vous rêvez ? Moi, je m'entraîne à me souvenir, moi. Non, c'est vrai. Et alors ? J'y arrive ? Ouais, ouais. J'y arrive pas, moi. J'arrive pas à savoir si je rêve en couleur ou en noir et blanc. Moi, je fais toujours le même rêve angoissant. Oui. Je suis en train de... De grandir ? Non. Non, ça, c'est pas angoissant, c'est impossible. Je suis en train de faire ma toilette et puis... Il n'y a plus d'eau tout d'un coup. Non, non. Vous êtes tout le nu. Le verre à dents est vide. Oui, je suis tout nu. Ah, oui. On arrive à la chose. Porte se ferme. On m'appelle, oui, on m'appelle sur le palier. Oui. Je sors comme un gland. Ouais. Et puis la porte se referme et, vous êtes et je me retrouve tout nu. À poil et à ce moment-là, il y a plein de gens qui montent l'escalier. Ouais. Elle, mais ne voient rien. Parents, il n'y a pas grand-chose. Des femmes en délire qui vous courent après. Et alors j'essaie de mettre mes mains pour cacher, mais j'ai pas assez avec les deux mains. C'est vraiment un rêve, hein. C'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Vous rigolez, mais c'est angoissant, hein. Ah oui. Ah oui. Angoissant. Ah ouais, non, mais je comprends ça. Plus angoissant, c'est le réveil, quand même. Quand vous voyez la taille réelle. Moi aussi, j'ai un rêve comme ça, hyper angoissant. Bon, toute la nuit, je suis en train de faire l'amour avec Bardot, et quand je me réveille, c'est vraiment elle. De Madame Etelin. Qu'est-ce qui a été défini universellement par la fréquence de 440 Hz. C'est une fréquence, 440 Hz. Oui, et ça a servi à définir quelque chose qui est unanimement reconnu. 440, c'est bas. Ah, bah, le mur du son, le son, la vitesse du son. Quel son ? La voix ? C'est un son technique. Quand c'est la voix ! Ça peut passer par la voix. C'est le la ou un truc comme ça ? C'est le la ! Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo. C'est le diapason, quoi. Alors, puisque vous vous intéressez à la musique, énormément, monsieur Mabille... Oui, énormément. J'aime bien, oui. Oui, sûrement. Tu joues de quoi ? La guitare ? Non, vous n'avez pas appris la musique ? Pas du tout. L'amiral a fait un peu de musique. Non, la musique de la flotte, non ? T'as fait la musique de la flotte ? Genre de la musique. Non, j'aime pas. Ça m'étonne, dans les grandes familles, en général. Mais t'as fait une école de marine ? T'as porté le pompon ? Ouais. Oui. Ah ouais, j'ai servi sous les couleurs nationales, moi. J'étais, ah ouais. J'ai terminé quartier maître, qui est quand même le plus grand grade. Où ça, à Duplex ? Du monde. Non, embarqué, arrête. Du Duplex. J'étais embarqué, moi. T'as fait Jeanne d'Arc ? Ben non, j'étais embarqué vraiment, j'étais sur Pendwick. Ah oui, ça, comme service militaire, c'est pas con. Ben c'est un bel embarquement. Ah oui ?
J'aurais pu faire mon service militaire en Côte d'Ivoire au club méditerranéen, moi, j'avais su. Ouais, peine de vie, c'était pas le club Med, hein. Non, mais quand même, c'était pas loin. Avec les bras soulevés des coton-tiges, je veux dire, t'aurais pas fait longtemps, hein. Mais moi, j'ai pas choisi la marine, j'étais dans le train. Non, la marine, c'est bien, arrête. Et t'as eu le pompon sur Pendwick ? Entre les embarquements, ouais. Ah ouais. Ben moi, j'étais fier de servir dans la marine. C'est bien, c'est une belle arme et tout. Tu fais la guerre propre, d'abord. Parce qu'il y a peu de boue sur les navires, tu vois. Mm. En plus, tu fais des beaux voyages, paraît-il. Puis je trouve cet ensemble de bateaux gris charmant, sur le plan du décor. Et t'as fait que du Pendwick ? T'as pas fait de croisière ? Non, je me suis trouvé embarqué sur des bateaux de guerre, mais pas longtemps, en général. T'as fait paquet, non ? J'étais incompatible avec... Le Mermoz, t'as fait le Mermoz, non ? Non. Je croyais que vous aviez fait vos classes sur un dragueur. Non, j'étais sur un dragueur pas longtemps. Ils m'ont jamais gardé longtemps. Ils devaient pas m'aimer ou me considérer comme difficile à contrôler. Mais moi, j'ai bien aimé la marine. J'ai quitté un régiment de parachutistes pour aller dans la marine. C'est méritoire, quand même. Là où j'aurais été officier. Officier chez qui ? 11e RCP à Toulouse. Ah. Parce que quartier maître, c'est pas officier. Ah non, c'est sous-officier. Mais quartier maître, c'est sous-officier supérieur. Oui, c'est adjudant. Les quartiers maîtres, c'est la base de la marine. Ah, c'est adjudant. C'est l'équivalent de sergent. Sergent. Mais notre marine, elle ne peut pas être autre chose. Notre marine, elle est basée sur les quartiers maîtres. Mmh. Le quartier maître dans la marine, c'est l'accélérateur dans une voiture. Voilà. Vous préférez être quartier maître qu'amiral ? Un quartier maître, c'est un amiral qui a pas eu de chance. Voilà. Non, c'est le contraire. Un amiral, c'est un quartier maître qui a pas eu de chance. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Quelle œuvre musicale porte-t-elle dans l'œuvre de Mozart un numéro d'opus, c'est-à-dire D apostrophe O-P-U-S, d'opus précédé d'un K? Qu'est-ce que Köchel, je veux dire catalogue le Köchel. Alors, qui était Köchel? C'est un bonhomme qui a fait le catalogue de toutes exactement, les Exactement, c'est le musicographe qui a répertorié l'œuvre de Mozart. Voilà. Bonne réponse de Jean Dupuis. Pas besoin de minauder une demi-heure sur la question, hein. Hey. On sait. De Monsieur Sutter de Trévoux. Quelle graminacée ligneuse peut-elle pousser de 90 cm en 24 heures ? L'ortie. Non. Ça se mange ? Ça peut se manger, mais enfin, je suis pas. La citrouille. Le bananier. Non. Le chardon. Le potiron. La léguminacée. L'artichaut. La graminacée ligneuse. Ligneuse, ça veut dire qu'elle monte, elle grimpe. Non, ligneuse, non, elle fait des lignes. C'est le genre bois. Hein ? Genre bois, c'est ligneuse. Une graminacée ligneuse, c'est quelque chose de fibreux. Fibreux. Oui. C'est un... Le cœur de palmier. Non. Il y en a en France ? Non. Ça se mange en salade ? Attends, on peut faire une salade, oui. Attends, il n'y en a pas en France. Alors, c'est dans les pays quoi ? Chaud ? Ah bah oui, il y a peu de choses qui poussent de 90 cm en une heure. C'est Hachmoud-la-Waller ! C'est très africain, africain, hein. Oui. C'est une racine de quelque chose. Ça peut être aussi asiatique, hein. La patate douce. Le bambou. Le bambou. Bonne réponse de l'amiral. Le bambou. Je l'ai dans ma cour. Je l'ai dans mon jardin. Vous vous rendez compte, en deux jours, c'est plus haut que vous ? Non, que vous. 80 cm, 80, ça fait 1m60. De monsieur René, qu'est-ce que les skieurs appellent l'arrêt Briançon ? Ben, c'est quand ils s'arrêtent comme ça ? Non. Sur le cul. Oui, exactement. C'est pour les débutants quand on s'assoit dans la neige. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. De l'histoire de France pour ce dernier rendez-vous avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 juillet 1992 en compagnie de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon et Bernard Babille. Question de Madame Rondeau. Quel traitement de faveur fut-il accordé à la marquise de Pompadour avant sa mort ? Ah, de faire un truc une dernière fois, non ? Et à l'occasion, dit-elle. De sa mort ? De sa mort ? Ah. Elle a eu des funérailles. Non. Non, pas été enterrée. Elle a pu voir quelqu'un. Elle n'a pas été enterrée à Saint-Denis, quand même. Elle a communié ? Non. Le roi est venu la voir pour une dernière fois ? Ah, oui, oui, ça, oui. Sûrement. Oui. Mais d'ailleurs, c'est peut-être lié à cette faveur. Il l'a décoré ? Non. On l'a transporté quelque part ? Non. Avant qu'elle meure ? Non, justement. Non. Ah, on l'a laissé où elle était ? Sur place. On l'a laissé mourir à Versailles. On l'a laissé mourir à Versailles. Bonne réponse de Jean Dutour. Merci à Bernard Mabille.
Alors que la tradition voulait que... On y mourit point. Oui. On mourait où alors? Chez soi. Dans le bois. Madame de Pompadour. Pompadour. Ça doit être une belle salope. Une salope. Non, pas du Pompadour, tout. Pompadour, elle s'appelait. Non, oh, non, non. Elle s'appelait elle poisson, froide. Oui, mais elle était froide comme un poisson. Elle savait nager. Non, c'est vrai. Oui, oui. C'est quoi, elle était très froide. Pas très froide, mais elle n'était pas chaude. Ah, ça c'est pas avec le roi en descendant de Madame Poisson, disant se l'écaille. Voilà, c'est un peu ça. Question de Madame Goyette. Ah, la sœur de Chantal Goyette. Oui. La petite sœur. La petite sœur. Que fait un actuaire? Oh, bah, ça, c'est... Non, non, un actuaire, c'est dans le genre d'agent de change, ça. Ah, pas oui, enfin, c'est le genre, agent de change. Oui. Travaille à la bourse? Dans un secteur économique parallèle, mais c'est alors, pas la bourse. Je recherche les bourses, les sources du bonheur partout. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien faire, un actuaire? Un actuaire. Il y en a aujourd'hui encore? Oui, oui, ah, bien sûr, il y en a. De plus en plus. C'est les Golden Boys? Et l'informatique a beaucoup simplifié leurs tâches. C'est les mecs qui achètent et qui vendent? Ils prêtent de l'argent? Non. Ils font des états? Non. L'informatique. Ils travaillent dans une banque? C'est des ordres de comptables? Non. Travaille dans une banque? Mais non, non, ils vendent des titres, ils en achètent, les actuaires. Non, c'est pas ça. Ils font de l'import-export? C'est une profession qui est de plus en plus... Négaille sa vie? Exploitée. Ils font les prospectives? Il y en avait presque pas il y a quelques années, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ah, ils recouvrent les factures? Non. Non. Mais c'est un métier difficile. Vous connaissez des métiers qui sont pas... C'est un huissier. Et généralement, les actuaires ont à la base une formation de statisticien. Ah ben il fait des sondages. C'est des prévisionnistes de marché? Météorologues. Ah, tout à fait. Des futurologues? Non. Des voyants? Il y a que des femmes ou des hommes? Il y a de tout. Ils dépendent d'un ministère? Non. Non. Ils sont privés. Ils sont freelance. Profession libérale. Ah, ben certains travaillent dans des entreprises nationalisées, privées, d'autres dans des entreprises publiques. Privées. Des ils assureurs. Font du marketing. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans les assurances? Ah, la prévision des morts ou un truc comme oui, ça. Oui, exactement. L'actuaire est celui qui, pour les assurances, calcule les risques et les probabilités. Voilà. Bonne réponse de Bernard Mabie. Ça nous gêne pas du tout, pour une fois, tu sois pas complètement nul. Comme t'es pas drôle, faut que tu répondes quand même quelque chose de juste de temps en temps pour justifier ta présence. Question de Madame Sévère de Verdun. Quelle est la seule catégorie de cigarettes dont la Seita n'a pas le monopole de la vente? Les cigares. La l'eucalyptus? L'eucalyptus, bonne réponse de l'amiral. J'ai honte pour moi. Tu réponds qu'il y a des trucs débiles, hein. Ouais, est-ce que le temps qui te traverse la couche de graisse et le système osseux, toi, tu les entends même pas, hein. Oh, je vais aller visiter ton bateau avec un vilebrequin, je t'assure. Ouais, mais avec ta tête que toi, tu trouveras pas l'arrière de l'avant. Hein. Moi, je visiterai ta carrière, ça sera moins long. Stranger in the night. Bon, vous lui feriez bien faire un petit tour en mer, Bernard Mabie. Eh, c'est un bateau de course, c'est pas une benne à ordures. T'entends les Bretons qui applaudissent, son fan club. Une question de Monsieur Sertois de Talence. Ah bah voilà. À part l'éléphant, quels sont les animaux qui donnent de l'ivoire? Le morse. Ou Fouette Boigny. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Bonne réponse collégiale masculine. Quelle horreur. D'ailleurs, le facochère aussi, non? Oh, il y en a plein. Il y a le sanglier, il y a le rhinocéros. Ah non, mais c'est pas toujours de l'ivoire. Les dents d'hippopotame, la grosse dent de devant, là. On a dit l'hippopotame. Bien, il y en a plein. Oui. Le cachalot aussi, c'est de l'ivoire, la dent. Le grand machin comme ça, comment ça s'appelle aussi? Ah non, ça, c'est pas de l'ivoire. Narval. Le narval, non. Ça, c'est de l'école. L'école Narval. Je crois que c'est le poète. Hein? Je crois que c'est le poète Gérard de Narval. Gérard de Narval. Gérard de Narval. Madame Kosciusko,
qui a dit « L'homme a reçu des dieux, madame, cette clé au moyen de laquelle il doit, dans sa demeure, remonter sa moitié toutes les 24 heures. Ouais, » c'est de la vie, ça, vraiment. Cet auteur, c'est Victor Hugo. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. À la prochaine. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard reviennent dans un instant.